Hey, toi! Oui, toi! Tu penses que dans l'Est du Québec, il se passe pas grand-chose? Tu penses qu'il y avait rien que du vent pis c'est tout? Ben, attache ta tuque, parce que je t'invite dans mon bar. Ici, à l'Hôtel Central, il y a toujours des brasseux de cossins pis des rameuteux de patentes. Du monde qui ont plein d'affaires à nous faire découvrir. Sport, médias sociaux, arts numériques, cinéma, littérature, économie, microbrasserie. Allez, viens t'asseoir avec nous autres. Tu vas voir que dans l'Est, il y a pas rien que le vent. Québécois. L'endroit où ça se parle, l'endroit où ça jase, c'est dans mon bar. Bienvenue à l'Hôtel Central. Hey! Paul! Salut! Allô, ça va? Ben oui, merci. Bienvenue chez toi. Je suis toujours content quand tu viens me voir. T'es encore justement en train d'explorer les millions de microbrasseries. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire? Il y a un million de microbrasseries qui ont ouvert, on dirait, c'est l'explosion. En fait, je crois que les chiffres exacts sont autour de 210 en ce moment. Mais 210 qui sont arrivés à une vitesse vertigineuse, surtout les 100 dernières. Ça roule, ça va vite, puis ça fait aussi ça, les microbrasseries, qu'on visite de plus en plus de villes. On parlait de Val-Espoir, c'est ouais. Malade, parce que ça, c'est un exemple concret. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait dans une petite ville, une petite communauté, une microbrasserie, là, concrètement? C'est la folie, OK? C'est la folie. C'est un petit village qui vit au rythme de la bière. C'est vraiment chouette. Puis en même temps, on est proche du sol, on est proche de la terre. On exploite des produits qu'on fait pousser sur place. Par exemple, Ben Couillard, il y a ses ruches hein, pour travailler les bières au miel. Il plante ses framboises pour la framboise. Il y a un producteur juste à côté qui s'occupe de la baie d'Aronia pour développer des bières sûres à l'Aronia. Même chose hein, pour Pit Caribou. Pit Caribou, là, ça fait vivre, percer. C'est incroyable. Oui, parce que c'est ça, ce que je comprends, c'est que c'est pas juste le classique. On s'attend évidemment à ce que dans une petite communauté comme ça, il y ait un boom d'emploi, si je peux dire. Absolument. Parce que déjà une dizaine d'emplois, par exemple, c'est énorme. Ouais. Mais ce que tu me dis, c'est qu'en plus, il y a un attachement à la terre d'origine, puis qu'on va vraiment chez le producteur, chercher les produits locaux, puis que ça fait tout tourner la roue de l'économie locale, finalement. Absolument. C'est pas des dizaines d'emplois l'été, là. On parle des centaines d'emplois là, pendant toute l'année. Okay, donc, ça vitalise À cause du tourisme aussi, là, c'est absolument. Ça? Mais c'est okay. plus que l'été en Gaspésie. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Je suis comme j'ai apporté au froid. J'ai quelque chose au froid. Oui, c'est vrai, t'avais laissé ça la dernière fois. Regarde ça. Super. Une session IPA de l'Esseps. Ça, c'est le fun. Nouvelle vague, New England IPA. On a-tu le goût de boire une bière à 8, 9, 10 % un soir de semaine? Une session, c'est une bière généralement faible en alcool, mais qui est pleine en goût, par exemple. Donc, une bière qui serait plus légère. Oui, exactement. Mais ça reste complètement opaque. Ça fait que reste, moi, j'entends mon oncle me dire, voyons donc, c'est dégueulasse cette affaire-là, on ne voit pas à travers. Puis tu me dis que c'est pourtant, c'est pas une bière classique de microbrasserie où est-ce qu'on sent justement le côté fort ou viril là, ou alcoolisé, l'amertume, ou, par exemple. L'amertume est dans cette bière-là, mais on peut travailler le houblon de deux manières. On peut aller travailler en amérisant, puis on peut aller travailler avec le houblon en aromatique. Celle-là, elle va jumeler les deux. Donc, les côtés aromatiques vont venir estomper, adoucir, faire qu'on va avoir une bière en bouche qui est vraiment plus agréable et plus facile d'approche. Pour ceux qui ne boivent pas de la grosse bière résineuse très amère. Puis en bouche, là, on va parler de texture hein, ou de mouthfeel si on parle le en anglais. Mais on va chercher une texture beaucoup plus épaisse. Absolument. En fait, nous, ce qu'on cherche en dégustant de la bière, c'est qu'il y ait justement une belle longueur, qu'on puisse percevoir les arômes longtemps. Oui. Puis ici, c'est quand même moins le cas, c'est-à-dire que ça tombe assez vite, mais oui, pas... Oui, exact. Puis j'ai dit ça tombe, c'est pas vrai. C'est drôle parce que ça s'élève assez vite. C'est drôle parce qu'il y a l'avion sur le dessus du label. Puis je pense que c'est une bonne idée parce que, justement, c'est très léger, c'est très aérien, même si c'est une belle matière. Cool! J'ai apporté d'autres petits trucs juste pour te montrer. Encore! J'ai apporté ici Lion Bleu. C'est allemand, juste pour vous dire que la bière, hein, c'est pas juste en Gaspésie, mais tu sais, autour du Québec aussi. Allemand. Oui. Donc, puis celle-là, je l'ai choisie parce qu'on avait tout qu'un programme dans le nom de la bière. Hein? Est-ce que tu peux nous lire le nom de la bière? Ben oui, OK. C'est écrit
tarte. Oui. Mais je pense qu'ils font un beau joli jeu de mots coquin avec tarte. C'est comme une tarte IPA. Et on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose de sûr. Absolument. C'est une sour IPA, mais tarte, c'est exactement ça. Et avec cette petite bière-là, on vient chercher le côté un peu cupcake de la bière. On essaie de mettre toutes sortes de saveurs dedans pour un peu jouer avec les styles. Oh, là, par exemple, là, tu viens pas me chercher. Tu as dit mettre des saveurs dedans. On essaie de travailler les saveurs pour aller plus loin qu'à une étiquette. Par exemple, une blonde. Maintenant, on va essayer de travailler une blonde sûre. Une blonde sûre, fortement houblonnée. Donc, celle-là joue un peu sur les appellations. Donc, une mousse beaucoup plus fine. Là, c'est dans une bière, mais là, attention, il faut le dire, là, mon père va trouver ça dégueulasse. Il faut faire la distinction, c'est-à-dire que là, on est en dégustation pure, c'est-à-dire on essaye de jouer avec des goûts, on essaye d'être impressionné, d'être intrigué, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pour moi, qui est intéressé par l'accord mets et bière, ça, c'est définitivement intéressant, parce que tu as un côté qui est vif, qui est droit, une belle acidité. C'est vraiment autre chose. Par contre, faut pas s'attendre à un produit normal. Ben, écoute, c'est tout le temps extraordinaire quand tu viens nous voir. Ah, merci ben, beaucoup pour mieux. Tes belles découvertes. Là. C'est chouette. Oh, la belle visite! Salut, madame. Ça va? Ça va bien, toi aussi? Ben oui, ça va quand je te David. Vois. T'es arrivé avec de la belle paperasse. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Tu me connais. Je suis curieux de ce que t'amènes. Tu me connais. J'ai amené quelques livres qui proviennent d'éditeurs de la région. Des éditeurs de la région. Tu as dit des éditeurs. Il y a des éditeurs en région? Plus qu'un. Première nouvelle, oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr. En fait, des éditeurs régionaux, il y en a pas mal toujours eu. C'est juste que des fois, hein, dans la masse de publications, on retient beaucoup ce qui est publié dans les grands centres. Ouais. Mais juste ici à Rimouski, on a plusieurs éditeurs qui font un très, très beau travail. Wow! Absolument, absolument. OK. Puis c'est étendu sur la grandeur du Québec, là, des petites, petites maisons d'édition. Oui, ben on peut partir de la micro-édition. Tu sais, maintenant, avec les photocopieurs, à la limite, hein, n'importe qui peut s'improviser éditeur. Okay. Donc, les moyens techniques, maintenant, ils sont facilement accessibles. Puis ça amène à plein de petites initiatives qui peuvent faire boule de neige puis devenir des vocations. Mais c'est une façon, je pense, je trouve, d'occuper le territoire maintenant. Non, mais ils doivent être isolés, je veux dire, en région. C'est pas... Y a-tu un moyen de se regrouper? Y a-tu... comme je comprends pas comment ils font pour se battre pour, mettons, des grosses, grosses boîtes, des maisons d'édition. Bien, je pense qu'on vise pas nécessairement le même marché puis la même clientèle. OK. Tu sais, je pense qu'un petit éditeur va d'abord travailler dans un circuit court. Hein? OK. Quand on parle d'alimentation, hein, c'est comme la grosse mode ces temps-ci, là, la proximité du marché puis tout ça. Quand on arrive en culture, on se pose pas trop la question. C'est normal hein, qu'un peu partout, il y a des artistes. Mais au niveau de la diffusion, hein, comme si c'était pas naturel qu'il y ait aussi des éditeurs qui travaillent à mettre en valeur le travail d'artistes, d'auteurs locaux. Ça permet de voir émerger toutes sortes de prises de parole qui sont différentes, qui viennent rafraîchir un peu là, le paysage littéraire. Qui touchent peut-être un peu plus à la communauté locale ou qui sont ouverts sur le monde? Bien, je pense que on parle de notre réalité de proximité. Ouais. On est toujours l'auteur local de quelqu'un. Ouais. Mais cette spécificité-là peut être complètement universelle. Tu sais, des auteurs qui viennent du lac Saint-Jean vont avoir des très, très grands succès populaires dans l'ensemble du Québec. De Samuel Archibald avec Arvida, qui a été un météorite dans le paysage culturel, puis qui maintenant s'est créé une niche dans la littérature montréalaise, mais en parlant de la réalité hyper spécifique de son coin de pays. Mais occuper le territoire, ça reste quand même un défi. Je veux dire, même à notre époque, peut-être avec les nouvelles technologies, je sais pas, mais c'est pas évident, non? Bien, c'est sûr que d'un point de vue culturel, oui, c'est un défi. Puis quand on parle du livre, bon, il y a les bibliothèques qui contribuent à occuper le territoire, il y a les libraires aussi. Les libraires ont on n'y pense pas toujours, mais le travail qui est fait par les libraires sur le territoire est vraiment très, très riche. Puis particulièrement les libraires qui font l'effort de respecter l'agrément. Donc, l'agrément qui est une espèce de reconnaissance, en fait, qu'ils vont obtenir en s'engageant à avoir une diversité de titres. Donc, tu sais, la grande différence entre les libraires puis
acheter un livre dans une librairie puis acheter un livre, bon, soit à la pharmacie ou dans une grande surface, c'est que la librairie, elle, elle s'engage à tenir un nombre de livres sur une diversité de sujets, donc pas seulement que les best-sellers. OK. Ce pôle culturel-là, qui est le libraire, contribue beaucoup à la richesse culturelle d'une région en permettant l'accès à une diversité de contenus. OK. Donc, si on fait nos achats dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies, la priorité derrière, on suppose que c'est le retour sur l'investissement. Alors que quand on va chez le libraire, il y a une passion derrière tout ça. Puis, dans le fond, ce qu'on essaye de faire, c'est de transmettre justement des beaux objets, des belles valeurs, des beaux trésors à travers la littérature. Donc, OK, je comprends. Absolument. Puis le consommateur qui va choisir d'acheter son livre, bien, s'il va l'acheter à la librairie plutôt que dans un autre type de commerce, bien, c'est sûr que indirectement, bien, par son achat, il va soutenir une démarche. Il va soutenir une démarche d'offres culturelles diversifiées. Ce que je trouve super intéressant, tu sais, bon, aujourd'hui, la nouvelle réalité, tu l'as nommée, avec Internet, on peut procéder à plein d'achats en ligne. Bien, moi, ce que j'essaie de préconiser, c'est de dire, bien, tant qu'à acheter en ligne, pourquoi pas essayer de faire que mon achat en ligne soutienne des valeurs derrière, dans lesquelles je crois. Fait que les libraires indépendants se sont regroupés ensemble pour faire une plateforme de vente en ligne qui s'appelle leslibraires.ca. OK. Ce qui est vraiment super intéressant avec cette plateforme-là, c'est que si tu commandes en ligne, bon, les tarifs vont être similaires aux autres libraires québécois. Sauf que quand tu vas commander en ligne, bien, tu vas pouvoir attribuer l'achat à ton libraire local. Ouais. Exactement. Ouais, t'arrives tout le temps comme un poète qui nous réfère des choses intéressantes. Merci. La prochaine fois, je t'en lis un juste pour toi. Oh, merci! Wow! Santé! Merci. C'est un fait historique. En Nouvelle-France, il n'y avait pas d'éditeur, pas de libraire et pas d'imprimeur. Par contre, Jean Talon avait fait construire une microbrasserie dès 1668. Hey, salut, Joe! Ah! Oh, t'as changé de bord! C'est genre, je regardais ça, puis je me disais, c'est un beau fake wood quand même. Tu sais, comme c'est pas du vrai bois, mais ça te donne des idées pour. Parce que c'est noir, tu sais comment est-ce que j'aime le noir. Oui, t'aimes ça. Sauf toi. Que ça serait beau, il me semble, dans la salle de bain. Le problème, c'est qu'on peut pas voir, tu sais, qu'est-ce que ça va donner dans les faits. En c'est réalité. Pas vrai, ça. Il existe ça d'applications qu'on peut voir. Ah, ouais. Ben, en tout cas. Ça, techno, madame, qui m'amène une application. Pour de vrai, là. Ben oui, mais hein, surtout pour la décoration, on avait déjà parlé de Pinterest. Oui. Mais pour la maison, strictement, ou le design d'une pièce, quoi que ce soit. Il y a l'application House, que ça s'appelle. OK. Je vais te montrer ça. C'est vrai. Je te dis, là, c'est une application de rêve. Là. Tu me connais, là? Moi, je ne suis pas la Crazy Cat Lady, mais plutôt la Crazy Design Lady. Oui, c'est vrai que tu aimes faire des petits designs. Oui, je fais des petits designs tout le temps. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est tout simplement une application qui regroupe toutes les pièces d'une maison, ou même plus, là, je te dirais. Il y a du commercial industriel aussi. En fait, on peut, avec des filtres, vraiment trouver qu'est-ce qu'on veut comme image. Toi, tu me dis, j'aime ça le fake wood, j'aime ça, en fait, le noir et tout ça. Bien, là-dedans, là, exemple, tu dis, OK, bien, j'aimerais ça vraiment avoir, mettons, une cuisine noire. Ouais. Bien, tu as tous des filtres pour ça. Donc, tu choisis, tu sélectionnes, en fait, une cuisine noire de telle dimension, tout ça. Mais c'est vraiment des filtres super intéressants. Là, concrètement, là, c'est qu'on arrive là, puis là, tout de suite, là, déjà, il y a des trucs extrêmement sexy que je vois. Ouais. Il y a des cuisines avec du noir mât puis du bois. Mais c'est quoi ça? C'est des gens qui ont envoyé ça? Ou... C'est des designers, entre autres, qui postent des photos là-dessus de leurs designers, clients. Mais monsieur, madame, tout le monde aussi pourrait poster là-dessus. Oui, certainement. S'ils ont un compte privé, il n'y a pas quand de problème. Quand je vais avoir fini ma super belle cuisine de la rénover, je vais pouvoir la mettre sur cette application-là puis montrer aux gens, voici ce que ça a donné au final. C'est en plein ça. Puis okay. Tu vas pouvoir lui mettre des mots-clés sur ta photo. Fait que les gens qui sont intéressés par les mêmes styles que toi, bien, ils vont avoir accès à ces photos-là, tout simplement. Là. Il y a des petites affichettes de prix qui ont comme souligné quand on est en plein sur ça. Le... Ce qui est super le fun, c'est que par exemple, il y a une photo qui t'attire énormément. Ouais. Tu regardes, puis il va y avoir des petites étiquettes de prix, mais vraiment très délicat dans la photo. Tu peux cliquer dessus, puis avoir accès à savoir il l'a acheté où ça. Ça vient de où, ce produit-là. Puis tu as accès, tu peux même des fois l'acheter en ligne. Des fois, il y a le lien directement okay, pour okay, acheter. OK. Je regarde la photo, puis je fais wow, tu cliques c'est ici, par exemple, sur le petit tag. Là, tu vois, on a même des prix.
puis différents fournisseurs. Ah oui. Ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, ça peut être utile pour justement n'importe qui, là. C'est-à-dire que si tu veux avoir des idées, dans le fond, de décoration, déjà en partant, mais si aussi tu veux faire des choix de consommateurs intelligents, tu peux aller là-dessus. Selon la gamme de prix aussi, hein. Okay. Parce qu'on peut choisir, mettons, avec le 1 signe de 1$, ça veut dire, mettons, quelque chose de plus entrée de gamme. Okay. Puis avec les 4$, là, c'est vraiment du gros luxe. Donc, on peut y aller avec notre budget. C'est en plein ça. Il y a vraiment, regarde, un petit onglet budget juste ici. Wow! Ouais. Donc, à ce moment-là, tu as accès à des produits plus adaptés à ton budget aussi. Parce okay. que ça donne rien de montrer des photos que tu n'auras même pas accès ou que tu ne pourras même pas acheter finalement. Tandis que là, ils vont vraiment focusser sur les items que tu peux acheter finalement. Fantastique! Oh, un invité de marque! Ah, et bon, deux bon, technos bon, pour gérer dans le bon, bar bon, direct bon, en partant. Salut! Ça va? Oui, toi! Qu'est-ce qu'il y a de nouveau de ce temps-ci qui a attiré ton attention dans la région au niveau technologique? Nouveau technologique... Et à ce qui se passe, ce qui a été fait récemment au Centre de recherche en imagerie numérique à Matane. OK. C'est une résidence d'artiste avec une artiste de trois pistoles, okay. Soraida Caron. C'est une expérimentation qui a été faite... C'est quoi son nom? Soraida. Soraida? Caron. Caron. Voilà. OK. Tu dis qu'elle est en résidence d'artiste à Matane. Elle en a fait une okay. pendant une certaine période de temps pour expérimenter un projet sur lequel elle a travaillé avec, okay. avec un de ses collègues. C'est quoi son projet? C'est quoi la nature du projet? On parle là d'expérience où on met en avant des danseurs sur une scène, puis on vient magnifier et amplifier leurs mouvements okay. grâce à la technologie. Le but, c'était de représenter le corps humain dans toute sa splendeur okay. et qu'on venait vraiment avec ça le montrer davantage. Est-ce qu'il y avait des éléments de décor? On s'est concentré sur le... Toile blanche, caméra, projecteur, infrarouge. OK. Et un peu de magie là-dedans, puis c'est parti. OK. Bon, ben c'est ça. Ben, moi, j'ai pas besoin de magie. Mais... c'est encore drôle. On est rendu à un certain point où on peut vraiment... C'est la limite de ton imagination qui va te permettre de faire des choses. Dernièrement, ce que j'ai vu passer en France, c'est qui s'appelle les biennales. C'est un gros événement où se réunissent le domaine du numérique et de l'art, bien évidemment. Oui. Et j'ai retenu deux expériences là-dedans que je trouvais assez trippantes. OK. La réalité virtuelle, un casque de réalité virtuelle. Essayez ça, moi. Essayez ça. Ouais. C'est assez déroutant. Hein? C'est spécial. Tu fais pas deux heures avec ça sur une tête, là. C'est assez... Non, exactement. C'est assez intense. Et là, l'expérience qui a été remise de l'avant, c'est des ballerines. Okay. Un spectacle de ballerines où tu peux, toi, tu t'assois dans une scène, sur une place, avec un environnement bien spécial. Tu t'installes avec le casque sur la tête. Cet environnement-là est recréé en 3D autour de toi. Oui. Et tu peux être dans le corps de cette ballerine-là. Dans son corps? Oui. Tu as toujours rêvé d'être dans le corps d'une ballerine? Moi? Non, check. Tu es dans le corps de cette ballerine-là. Puis tu peux revoir ses mouvements, puis tu peux vivre avec elle ce qu'elle vit sur la scène. C'est fou parce qu'il y a des projets, on dirait que ça se mondialise. Tu as les projets qui se font ici puis qui peuvent s'exporter. Puis ensuite, il y a un échange à l'extérieur, à l'étranger, même littéralement, comme tu me parlais en France. Puis tout ça inter-influence. Puis ça peut faire des trucs qui deviennent vraiment intéressants ici aussi. Il y a plus de limites avec les barrières qui sont moins présentes au niveau des technologies. C'est facile maintenant d'avoir accès à tout ça. Là. Ouais. C'est du matériel accessible. Oui, ça a un coût, tout ça, non? C'est quand même dispendieux. Je te dirais que quand on parle de casque de réalité virtuelle, ça s'est démocratisé davantage le non, prix par rapport. C'est vrai que on se serait parlé il y a même pas 5-10 ans, on aurait dit un casque de réalité virtuelle. Je veux dire, ça sonne Marty McFly. C'est Retour vers le futur. Là. Tu dis ça, mais dans l'épisode de Retour vers le futur, ouais. il y a un moment donné, il y a un casque sur sa ouais, tête. Ouais. Puis ce casque-là, une certaine compagnie en a développé un similaire, mais qui permet justement de voir. Ça s'appelle la réalité mix. C'est-à-dire okay. que tu vois, je te vois, oui. mais je vois en superposition tout ce qu'il y a d'environnement virtuel. Oui, ça en fait, c'est comme ça. C'est comme, dans le fond, l'avenir du Pokémon Go, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'on voyait à travers le cellulaire, si on déplaçait le cellulaire, des objets ou des monstres qui n'étaient pas réellement dans le champ pictural. Mais là, on le voit directement dans un casque. Là. On peut se promener, on peut tout d'un coup, il y a quelque chose qui ressort. Mais en fait, c'est tout ça, c'est de la réalité augmentée. Ça n'existe pas. En fait. Ça n'existe pas, c'est de la réalité mixte. Puis tu dis un casque, mais de plus en plus,
les technologies se minimalisent, ça devient de plus en plus petit, de plus en plus performant. Ça peut très simplement aussi rentrer dans une paire de lunettes, tu sais, une paire de lunettes de vue, une paire de lunettes facilement. Là, les prototypes qui existent sont quand même assez relativement gros. Ouais. Il y a des choses qui peuvent vraiment aller plus loin que ça. C'est une paire de lunettes, là. Oui, ben c'est ça vers quoi ça s'en va. Ouais. Éventuellement, je vais pouvoir faire vivre le métier de barman en plein roche. Oui! Plein de monde. Ben, en tout cas, en attendant qu'il y ait un overboard qui soit inventé, que je puisse faire du skateboard dans les airs, on va se contenter des lunettes. Ça me pratiquer, moi aussi. Santé. Pour le Lascal, mon ami Fred Dubé vient m'expliquer que c'est peut-être pas la meilleure des idées, un Costco à Rimouski. Moi, je pense qu'on en a pas mal plus pour notre argent. On verra. T'as entendu la rumeur, hein? Persistante, je dirais. Ouais, comme quoi, il y aurait ouais. un Costco. Je vais pas faire mon Hugo Dumas, là, puis parler de patinage, mais c'est quand même important. Costco voudrait ouvrir 3 nouveaux méga centres d'achat au Québec, dont un à Rimouski, possiblement, mais là, c'est des oui-dire et tout ça. Et là, évidemment, il y a déjà des gens qui s'emballent. Puis là, il y a le représentant de Costco qui dit que c'est des rumeurs, c'est pour faire monter la valeur du terrain. Et puis là, on s'affronte déjà. C'est plus la cité des achats, c'est Braveheart. À ce point-là, oui, quand même. Mais prenons pour acquis que, mettons, ouais. qui s'implante, ouais. le Costco. On s'entend, c'est toujours une bonne affaire, un Costco. Tout est en couple, hein? Ça se pourrait, oui. Et voilà, c'est ça. Et voilà, ben, c'est ça. On réfléchit comme ça, parce que tu sais que le couple, c'est de la propagande capitaliste. À l'invention du couple, c'est une micro-société surévaluée. Je te reconnais, là. Inventée par des cartes de crédit okay. pour te pousser à aller au Costco le samedi matin. Fait qu'il n'y avait pas de couple dans la préhistoire. C'est une invention. Non. Autant que dans le Moyen Âge, autant que... C'était du concubinage. OK. À partir du moment où il y a eu Visa ou des autres cartes de crédit... Il y a eu des couples. Exactement. Okay. C'est en collaboration avec Costco. Tout à fait. Au Costco, il y a tout. Là. Je veux dire, il y a tout. Tu rentres, moi, la dernière fois que je suis allé au Costco, je suis rentré là, j'avais mal aux dents. J'étais célibataire. Je suis ressorti de là avec un nouveau dentier, une blonde puis un test de grossesse positif. Ben je comprends. Fait que grosse fin de semaine. Avec un dentier, c'est évident. Fait que oui, tu sais, il y a des rumeurs. Puis, tu sais, puis là, évidemment, là, je veux pas juger. Je sais que tu y vas au Costco, sûrement dans le bout de Québec. Absolument. Tu fais ton chemin de Compostelle, en fait. Oui, le chemin de Compostelle de la consommation. Ben oui, le temple, exactement. Puis là, je veux pas juger les gens qui y vont. Je comprends qu'on y va parce que c'est quoi le leitmotiv du 21e siècle? Payer moins cher. Hein, c'est ça qu'on veut. Bien, je vais t'arrêter là-dessus puis je vais te le dire. On s'entend tout de suite, là. Oui. C'est moins cher aller au Costco. Faudrait que tu dises moins cher. Ah, avec des oreilles de lapin. Avec des guillemets, ouais. Okay. Parce que c'est un peu ça que je veux te dire aujourd'hui, c'est que parfois, payer moins cher individuellement peut nous coûter plus cher collectivement. Oh, OK. C'est-à-dire... Je le sais pas, j'ai lu ça. OK. Demande-moi pas de l'expliquer. Non, parce que évidemment, il y a des avantages à aller au Costco. Tu, comme tu disais, payer moins cher. Ils vont dire, ouvrir un Costco, ça va... les emplois. Évidemment, c'est bon pour un maire aussi, hein, parce que ça va faire plaisir aux électeurs, consommateurs. Les électeurs sont de plus en plus traités comme des consommateurs. Puis on va dire, waouh, le maire nous a donné un colisée. Il nous a acheté un Costco. Waouh, c'est ça, c'est du pain et des jeux. Oui, 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 OK. Tu trouves ça. Mais tu dis, ça crée des emplois. On jase, là. Ça crée des emplois, puis ça coûte moins cher aller au Costco quand on achète directement. C'est une question de perspective. OK. Parce que oui, ça peut créer des emplois momentanés, sauf que d'un autre côté, ça détruit aussi des emplois ailleurs. OK. Fait que c'est pas des nouveaux emplois. Souvent, c'est des gens qui changent d'emploi ou ça aspire des emplois qui existaient ailleurs, mais qui les transposent au Costco. OK. Si tu vraiment créer des emplois si tu transposes des travailleurs ailleurs? Pas nécessairement. OK. Parce qu'il faut faire une petite histoire, parce qu'au début, le Costco, c'est pas un champignon qui a poussé tout d'un coup. Ça n'existait pas avant, ces grosses affaires-là. À partir de 1930, le libre-service, c'est quand tu rentres à quelque part puis tu fais pas nécessairement affaire avec un boucher ouais. ou avec un fleuriste ou whatever. Et puis, le libre-service a fait place au supermarché, qui a fait place à l'hypermarché. Et là, on est rendu dans le magasin-entrepôt. Et la philosophie et le slogan du magasin-entrepôt, c'est « Empiler haut et vendez bas ». OK. Empiler bon. Haut et vendez bas. Ça veut dire qu'au Costco, tu as très peu de diversité de produits. Okay. 4000 produits dans un Costco.
en comparative à un supermarché, tu as 40 000 produits différents. L'invention des supermarchés et du Costco et ça, ça a pu prendre son expansion à cause de deux facteurs, ouais. Le char et le frigo. Okay. Le char, parce que pour attirer, pour emmagasiner le stock, puis aussi attirer plus de gens dans un plus grand rayon. Ouais, on s'entend que la surface générale, globale, est occupée principalement par des parkings, en fait. Ça appartient au 20e siècle, cette affaire-là. Je pense qu'on doit s'en libérer, surtout aujourd'hui, avec l'environnement, hein, avec les problèmes environnementaux qu'on a. Évidemment, le but du Costco et de n'importe quelle entreprise du genre, c'est d'accumuler des profits. Fait que c'est la croissance économique. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de décroissance. Fait que tu peux pas jumeler décroissance et aussi acheter localement, okay, avec une mentalité de gros entrepôts et de surconsommation. Okay. Parce que y a ce qu'ils appellent l'effet boomerang. C'est quoi l'effet boomerang? T'sais, par exemple, en Abitibi, il y a des gens qui cultivent des tomates. Et leurs tomates sont envoyées à l'entrepôt de Drummondville. Et ensuite, à Drummondville, ils emmagasinent les tomates puis sont renvoyées dans les supermarchés de l'Abitibi. Ouais. Fait que ta tomate, là, de manger une tomate, elle a plus voyagé que Christophe Colomb, ta tomate. Ce qui n'est pas peu dire. Ils appellent ça l'effet boomerang. C'est cultivé là, c'est envoyé ailleurs juste pour être entreposé, ouais, puis c'est revenu. C'est ce qui se passe en particulier avec le poisson qui va jusqu'au marché de Boston puis qui revient sur la côte est canadienne. C'est ça. Puis essayer d'avoir une emprise là-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, je pense qu'il faut démocratiser notre façon de consommer, notre façon de manger. Mais prenant le siège social du Costco, c'est à Washington. Fait que, vas-y de plein. Là. Mais là, ce que tu me dis, dans le fond, c'est que oui, donc t'avoues, quand je vais acheter mon produit, au final, effectivement, moi comme consommateur, il va me coûter moins cher. Mais ce que tu dis, c'est que globalement, il y a un prix à payer à tout ça. Puis qu'en ce moment, on est en train de le voir, entre autres, avec les changements climatiques. Puis si on espère faire en sorte qu'il y ait moins de consommation pour comme améliorer le sort de la planète, entre autres, quand, surtout ici, dans l'Est du Québec, on a l'opportunité peut-être d'acheter nos tomates à un petit producteur local qui travaille avec amour puis qui va faire... Ben ouais. Là, tu peux voir ces belles petites mains qui ont cueilli ça. Ils sont très blessés, ces mains. C'est quand la dernière fois que tu as bécoté les mains de maraîcher? Ah, j'avoue que non! J'ai travaillé tout l'été chez un maraîcher, puis j'aurais dû. Il faut bécoter. La prochaine fois, ouais, donner des hugs aux maraîchers, c'est toujours une bonne idée. Des petits câlins aux maraîchers. Ils vont apprécier le geste, c'est sûr. Ouais, tout à fait. Fait qu'en résumé, en terminant, tu vas y aller une fois, puis toi, en tant que consommateur, tu vas peut-être sauver un peu d'argent, mais collectivement, à cause de ces trois critères-là, ben, on va vraiment être perdant là-dedans. Okay. Parce que le Costco, ça crée une dépendance. Je les comprends, les gens, d'aller là, c'est pas juste aller s'acheter une pinte de lait au Costco. Là. Quand tu rentres là, avec t'as une idée d'aller une pinte de lait, tu vas être... T'achètes tout. T'es stimulé, c'est l'expérience Costco. C'est pas pour rien qu'ils appellent ceux qui font partie de cette communauté-là, c'est les Costcoïtes. Ah oui, hein, carrément. Parce que quand tu rentres là, c'est un Costcoïte ininterrompu, okay, tu jouis non-stop. Fait que ça, je peux le comprendre. Tu sais, t'as des gros pots de mayonnaise, t'achètes pas un rouleau de papier de toilette. Non, c'est une montagne, là. C'est le château de papier de toilette. L'Himalaya de papier de toilette, là. Okay. Puis ça te prend un Sherpa pour t'essuyer, tu sais. Fait que si pour toi l'environnement est important, si pour toi les achats locaux sont importants, si pour toi la qualité des emplois, c'est important, le Costco ne doit pas exister. Faudrait que t'envisages d'autres alternatives. Tout à fait. Je peux comprendre parce que c'est vrai que si on veut être fier de notre région puis exporter des produits qui viennent de chez nous, faut commencer par en consommer soi-même, déjà en partant. Ça fait toujours du sens ce que tu dis, ou en tout cas au moins 10 % du temps. As-tu vu, c'est justement un rabais chez Costco, 10 % du temps. C'est ça. T'as aimé ce que t'as vu ou pas? Viens m'en parler sur les médias sociaux. Au moins, il est 3 heures, je ferme l'hôtel central.